Raconte-nous une histoire, même deux histoires. On attend un peu après ce qu'il fait que ce soir. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Numéro bis. Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. On va arrêter la construction du chantier. Il attend des rails qui doivent être livrés du sud. Débrouille-toi pour qu'il n'arrive jamais au chantier. Pas de rails, pas de construction. Pas de construction, pas de tram. Pas de tram, pas de tram. On va arrêter la construction du palais. Ils attendent des pierres qui doivent arriver du sud, par le Nil. Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierres, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. C'est une bonne situation, ça, au PC? Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer mes 5 mois avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment sur LinkedIn où j'étais face à mon CV. Et c'est assez curieux de se dire que parfois les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût du planning, quand on a le goût du Gantt bien fait, ce beau chemin de fer, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le manager qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à JB, je lui dis merci, je chante CPO, je danse CPO. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût des transports, ce goût donc, qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre un TZN ou un tramway. Mais demain, qui sait, peut-être seulement à me mettre au service du Comedy Club, à faire le don, le don de soi. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » Salut Kevin. Bon, tout d'abord, salut. Bienvenue chez ICAR, le groupement de maîtrise d'œuvre qui vient de gagner la ligne 18. Comme tu sais, tu seras en charge du planning. Donc, pour commencer, je t'ai donné toutes tes données d'entrée, les notifications ainsi que la mise en service. Ok, super. Bah, je vais te faire un super planning, tu vas voir, ça va être au poil. Camarade. Ah Jean-Marie, tu tombes bien, j'ai fini. Ouais. Regarde pas, recommence là parce que on change pas la mise en service, mais on a des dates qui ont dérapé sur la notification. Ah, t'es sérieux? Voilà. Bah c'est reparti. On vous exploite. Kevin? Ouais, ah, Jean-Marie, tiens, j'ai fini. Merci, par contre, on décale encore la notif. Oh là là. Et la mise en service, j'imagine que c'est la même? Ouais, tout à fait. Par contre, c'est pour ce soir, donc on ne modifie pas. On vous crève à la tâche. Kevin, réveille-toi. On change la notif. Et on ne change pas la mise en service. Franchement,
Voilà. Bon, c'est bon. On va vous préparer l'avenant. Hein. On réajuste le forfait définitif. Arrête. C'est sans patate. C'est sans patate. C'est sans patate. C'est sans patate. Sans patate. Bon. Bon. Dans ce forfait, on inclut aussi. Les modifications de programme. C'est cela, oui. Toutes les modifications de programme. C'est cela, oui. C'est l'avenir aussi, hein, bien sûr. C'est cela, oui. L'ensemble des projets connexes hein, qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est cela, oui. Toutes les opérations connexes. C'est cela, oui. Même les nouvelles opérations connexes. C'est cela, oui. Bon, par contre, hein, pour que l'on puisse le mettre en signature rapidement, il faudrait nous faire un petit complément d'études. La roue tourne, la balle se promène, elle va s'arrêter. Aïe, 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 le million! Il faudra aussi ben, reprendre le pro avec nos remarques. Bon, et bien sûr, on appliquera hein, les termes du contrat sur le dépassement du C0. Bon, écoute Patrick, je viens de regarder les phasages qu'on a fait, toi et moi, là, chacun de notre côté. Et je crois que ton phasage et le mien, ils ont le même problème, c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas. Surtout le tien. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, pour la réunion avec les services techniques, oublie que ça fonctionne pas, vas-y fonce, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. J'en peux plus, chef. C'est incroyable ce qui m'est arrivé, je te dis. C'est une seconde, ça a pris une seconde. Je te dis, je commence seulement à comprendre ce qui m'est arrivé. Je réalise seulement. Je n'ai rien su faire. Vraiment, prosterné, prostré. Je sais même pas comment on dit. Tu vois, je n'en peux plus des réunions. Je suis au bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, foutre mes savates et terminer. Bonsoir. J'en peux plus, man. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Je te dis, c'est... Une seconde, ça a pris une seconde. Je découvre maintenant seulement, je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je sais même plus comment on dit. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma savante et terminer bonsoir, quoi. Oui, allô, l'équipe CPO. Oui, bonjour, c'est Ladil. Voilà, je vous appelle pour vous dire que là, il faut faire vos cartons et partir rapidement. Voilà, vous avez des nouveaux bureaux là au premier étage. De toute façon, vous ne pouvez pas vous louper. Vous verrez, les bureaux sont libres. Voilà, il faut me faire ça vite hein, par contre. Hein. Ok, merci. Très bonne journée à vous. Au revoir. C'est drôle. Hein. Bonne année.